je suis sorti, j'ai peut-être compris que j'étais, je venais de loin, quoi. On n'avait vraiment que 12 heures pour intervenir, c'était un grand maximum. On était obligé de se préparer à aller au plus loin. Pour tous les sauveteurs, la victime est vivante. On ne savait pas où était la personne qu'on allait chercher. On touchait les choses avant de les voir. Donc vous imaginez ça peut représenter si on tombe sur la victime décédée. On s'engageait sous terre sans savoir réellement si on était capable de sortir à 5 h du matin. Le jour où je me ferai peur, vraiment peur, j'arrêterai parce que ça veut dire que j'ai franchi une étape de trop. C'est quelque chose de très fort qui nous motive à faire ça. J'en ai besoin, c'est quelque chose. C'est-à-dire si je fais pas ça, il va y avoir un manque. Moi, je ne me pose pas de questions. Je sais que s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, je vais y aller.